ces dernières minutes. Movaca, sur cette lancée, se fait lancer à 5 mètres de la ligne. Encore une fois, c'est Makalou, hein. Les Géorgiens qui ne contestent pas dans les airs. Hein. Ils se focalisent sur le sol. Ouais, ils préfèrent défendre en bas. Et après avoir reculé, là, la marche avant est lancée. Ouais. Alors, on a eu le doublé de Damien Penaud. Est-ce qu'on va avoir le doublé de Movaca dans l'envie? Voilà le doublé de Peato Movaca, le sixième essai de l'équipe de France qui va donner un petit peu plus de relief, en tout cas au tableau d'affichage. L'addition se corse, la barre des 40 points est passée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point de comparaison? On pourrait parler de la victoire des Anglais en novembre dernier, 40-0 contre la Géorgie, qui avait encaissé également 40 points contre l'Afrique du Sud. La France est dans les bons standards, dirons-nous, même si la copie n'est pas parfaite. Ça fait quand même 41-15. Oui, on a réussi à marquer pas mal d'essais. Comme vous l'avez dit, c'est assez brouillon, je dirais. Ça n'a pas été fluide pendant 80 minutes, mais en tout cas, tactiquement, c'est bien joué.